Est-ce que tu as déjà vu un balai qui balaye les courants d'air tout seul? Maintenant, oui. Attends qu'il se calme pour t'approcher. De fines aiguilles de pin sont fixées sur une fourche. Regarde de plus près. Des élastiques maintiennent des fagots d'aiguilles à cheval sur une latte. Un par fagot côté extérieur, un pour deux fagots côté intérieur. Enlève-les et observe la structure. Au cœur de l'assemblage, il y a un petit clou provenant probablement d'un matériau plus long, inséré dans un trou traversant la structure. La latte, aplatie très grossièrement, porte des traces de couteau et s'en sert dans les fentes de la fourche qui, elle, porte des traces de scie. Et là, et là, et là, il y avait quoi? Il y avait des morceaux qui maintenant jonchent le sol et devraient te permettre de reconstituer la branche originelle. Si tu décides d'enfermer le balai chez toi, garde toujours le contrôle. Parce que sa vision du monde est différente, un peu sauvage, sans doute. Si tu aimes cette vidéo, abandonne ton écran et sors. Tu verras peut-être un jour une prairie fleurie de balais sauvages.